Est-ce que tu peux nous dire, tu nous as dit que tu savais pourquoi tu étais ici. Pourquoi tu es ici? D'accord. Tu es ici par rapport à Valérie? D'accord. Ok. Pourquoi tu es là pour Valérie? Dis-nous pourquoi tu es là pour Valérie. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, Valérie? Continue. Elle peut t'apporter de l'aide? D'accord. Ok. D'accord. Donc si elle peut t'apporter de l'aide, on va t'aider. Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Qui c'est qui t'a fait venir ici, s'il te plaît? C'est une dame? Elle s'appelle Rose. D'accord. Quand Rose est venue te chercher, tu étais où, s'il te plaît? Te rappelles où tu étais quand Rose est venue te chercher? Tu faisais quoi au moment où elle est venue te chercher? D'accord. Ok. Ton prénom, c'est comment? Adèle? Non. D'accord. Donne-nous ton prénom, s'il te plaît. Je peux poser une question? A, continue. A. D. E. Continue. Ade, ça existe comme prénom, hein? D'accord. Ade, ça existe comme prénom. J'ai déjà entendu ce prénom. ADE, ça existe comme Ah, mais prénom. là, il est souvent ADER. Est-ce que tu es un garçon ou une fille? C'est un garçon. Est-ce que tu es un garçon? Est-ce que tu es un enfant? Ton prénom, c'est quoi exactement ton prénom? Tu nous as mis ADE. ADE n'est pas un prénom. Est-ce que tu peux continuer ton prénom, s'il te plaît, sur l'écriture. Est-ce que tu sais écrire ton prénom? Alors écris-le, s'il te plaît. Sans avoir peur, Alors, hein? on a dit A. On va te raccourcir sur le truc. Tu as déjà écrit A, D, E. Après A, D, E, c'est quoi la suite? Les lettres. Vas-y. A, D, E. Ensuite. L. Ensuite. Adèle, Adèle. C'est le prénom que je t'ai donné tout à l'heure. J'aurais pu très bien dire autre chose. Pourquoi tu n'as pas écrit tout de suite Adèle et pourquoi est-ce que tu l'écris maintenant? J'avais. Continue. T'avais peur? D'accord. Enchantée, Adèle. Enchantée Adèle. T'avais peur de Comment tu te quoi? sens, Adèle? Tu es bien?
Tu es heureux? D'accord. Pourquoi tu n'es pas bien, s'il te plaît? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? D'accord. Moi, je te fais peur. D'accord. Est-ce que tu nous vois bien, s'il te plaît? Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Hormis demander de l'aide à Valérie. Est-ce que tu sais pourquoi Rose t'a amené ici? Lorsque tu étais dans un endroit, avant que Rose ne vienne, tu faisais quoi exactement? Continue. J'étais. Continue. Je. Continue. 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 Je suis dedans. Continue. 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 Tu es dans le noir? Tu es dans le noir et tu arrives à nous voir? Je t'ai demandé tout à l'heure si tu nous voyais, tu ne m'as dit que oui. C'est pas la question là que tu as demandé. Quoi? Je dis quoi? J'étais où? Il était avant que Rose et avant. Il t'a répondu dans le noir. D'accord, excuse-moi. Tu étais dans le noir. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Tu étais dans le noir. D'accord. Et tu sais pourquoi tu étais dans le noir? Est-ce que tu as des souvenirs de quelque chose avant d'être dans le noir? Des images, des odeurs, des sons, des voix? Vas-y. Oui. Oui. Non, non, non. Continue. 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 La musique? Et encore. Dis-moi. D'autres choses. Continue. Vas-y. Ta chambre?
années. Les derniers souvenirs, tu entendais de la musique, il y avait ta maman et tu étais dans ta chambre. Tu faisais quoi? Tu jouais? Tu faisais quoi, dis-moi? Qu'est-ce que faisait ta maman? Vas-y. Continue. Elle criait? Est-ce que tu sais pourquoi elle criait? Dis-moi pourquoi elle criait, s'il te plaît. Oui. 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 Continue. Vas-y, continue. Oui. Oui. C'est pas grave. Reprends, s'il te plaît. Papa. Oui. Ok. Ton papa tapait sur ta maman? D'accord. Pourquoi la musique? S'il te plaît. Pourquoi tu crois qu'il y avait de la musique? Oui. 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 Pour pas entendre? Pour pas entendre quoi? Maman pleurait quand papa la tapait? Pour pas entendre les cris? Est-ce que ton papa tapait ta maman? Est-ce que tu sais pourquoi il le faisait? D'accord. Tu étais dans ta chambre quand tu entendais tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu sois dans le noir? Oui. Il? Oui. Il est? Oui. Il est venu? Il est venu te voir? C'est quoi la dernière image que tu as de ton papa? D'accord. Les coups. Les coups qu'il t'a donné? Est-ce que tu sais pourquoi ton papa il te frappe? Il le faisait souvent? Il le faisait avec maman? Il frappait maman souvent? Il te frappait souvent aussi? D'accord. Est-ce que je peux te poser quelques questions encore? N'aie pas peur. Est-ce que tu trouves normal d'être ici, chez moi, avec Rose qui t'a amené jusqu'ici, et avec nous trois alors que tu ne nous connais pas, s'il te plaît? Est-ce que tu trouves cela normal?
Tu peux répondre. Je ne sais pas. Est-ce que tu trouves normal d'avoir été dans ta chambre et que d'un seul coup, tu te retrouves ici, chez moi, dans cet appartement avec nous? Est-ce que depuis que tu es là, tu t'es posé des questions? T'inquiète pas, on va t'aider. On va te faire comprendre les choses et on va t'aider. Ne t'inquiète pas. C'est normal. Prends ton temps. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de pression. Je ne suis pas énervé contre toi. On va discuter, ne t'inquiète pas. Prends ton temps. Je sais pas. Son lapin Oscar. Comment? Son lapin Oscar. C'est un lapin en peluche. Je sais pas où il est. Tu ne sais pas où il est? Bah non, il m'a montré, mais je ne sais pas où il est. D'accord. On ne sait pas non plus où est ton lapin. D'accord? J'entends maintenant. Il pleure, il dit, j'en ai besoin. Alors, on t'a dit que Valérie pouvait t'aider. Si tu t'approches de Valérie, cette dame, parle-lui. Parle-lui fort à l'oreille. Elle va t'entendre. D'accord? Ça t'évitera peut-être d'écrire sur ce support. Qu'est-ce que tu aimerais comprendre là maintenant? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi ton papa t'a fait ça? Il t'a fait quoi, dis-moi? Il t'a mis des coups? Il t'a fait quoi d'autre, s'il te plaît? Est-ce que tu sais ce qu'il t'a fait? Tu peux me le dire, s'il te plaît? On voudrait t'aider à comprendre. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ton papa? Il m'a poussé fort. Il t'a poussé fort? Il t'a poussé contre quoi? Par terre? Et quand tu es tombé, il t'est arrivé quoi, s'il te plaît? Il a tapé encore plus. Il t'a tapé encore plus fort? Pourquoi un papa tape sur son enfant de 6 ans? Il sait pas, il est pas méchant qui. Personne n'a dit que tu étais méchant. Ton papa est certainement méchant puisqu'il te tape, sans aucune raison. Est-ce que tu trouves normal? Non, c'est mon papa. Et... Est-ce que tu trouves normal qu'un papa tape son fils comme il le fait sur toi? Est-ce que tu appelles ça de l'amour, Adèle? Est-ce que tu penses qu'on peut aimer quelqu'un en le frappant comme il l'a fait sur toi? Est-ce que tu penses qu'on peut aimer quelqu'un en le rouant de coups? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un en tapant son fils, comme il le faisait pour toi? Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour, Adèle? Tu sais pas? Donc si tu ne sais pas, moi je vais t'aiguiller. Je vais t'aider, je vais te guider. Quand ta papa tape son fils de 6 ans, comme il le fait à te rouer le cou, ce n'est pas de l'amour, Adèle. Ça s'appelle de la méchanceté. Le nom de papa est juste un titre qu'il nous a été donné.
dans une famille. Mais cela ne justifie pas son amour, ni son évolution, ni sa bienveillance pour toi. Tu es certainement quelqu'un de très gentil, qui ne méritait certainement pas tous ses coups. Il ne méritait pas que ton père te frappe, peut-être de façon outrancière comme il le faisait. Tu ne comprends pas pourquoi il le faisait et pourquoi également il frappait ta maman. On peut éventuellement essayer d'élucider ce problème, essayer de te faire comprendre les choses, essayer de te faire intégrer peut-être une nouvelle perception des choses de façon à ce que tu comprennes que toutes les choses que tu as vécues ou que tu viens de vivre, ne sont pas logiques, ne sont pas cohérentes, ne sont pas normales pour un enfant de ton âge. Est-ce que tu veux... Attends, vas-y. Il va te poser une question. Ouais. Tu tapes, toi. Je ne tape pas mes enfants. Ni ma femme. Tu es un papa. Alors, je suis un papa. J'ai une fille qui va avoir 18 ans et un garçon qui va avoir 22 ans. Ma fille de 18 ans... C'est vieux. Oui, c'est vieux. Un fils de 18, de 22 ans et une fille de 18 ans. En 18 ans et 22 ans pour l'un et pour l'autre, je ne leur ai jamais mis une fessée, mine sur les fesses, ni rien du tout. Je n'ai jamais fait frapper mes enfants. Et pourtant, ils ont 18 et 22 ans. Et je suis un papa. Un papa, il aime ses enfants, il ne les frappe pas. Il le protège. Il fait des câlins. Il lui donne de l'amour. Mais il ne frappe pas son enfant. Ça, c'est un papa. Comme Valérie me fait depuis tout à l'heure. Oui. Ça s'appelle de l'amour. Elle est comme une tata. Elle est gentille. Elle est très gentille. Il dit, je l'aime bien, moi. Tu l'aimes bien, toi ? Non, oui, je l'aime bien. C'est ma femme. C'est ma chérie. Oh. Ça te surprend ? Oui. Pourquoi ? Vous n'êtes pas pareil. Ben, les papas et les mamans ne sont pas toujours pareils. Tu es pareil que ton cousin, que ton oncle, que ta sœur, que ton père, que ta mère. Vous êtes tous différents comme nous on l'est. Il y a des gens qui sont différents et qui sont ensemble. Et qui s'aiment. C'est bizarre. C'est bizarre pourquoi ? Car tu n'as pas connu ça ? Oui. Bah tu vois, il existe des papas et des mamans qui sont différents et qui s'aiment, où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de coup, que de l'amour. Ça te va ? Oui, ça m'arrive. Il me demande si je crie des fois. Oui, ça m'arrive. Mais je ne tape pas. Le énervé. Mais je ne tape pas. Mais Steph, il parle fort tout le temps. C'est pas par rapport à toi, Il parle tout le temps fort. Je parle tout le temps fort. Ah oui, c'est rien. Même sur moi, des fois, il parle comme ça. Hein. Bon, alors, on va te dire quelque chose. Il est gentil. Dire. Je suis un gros ours, oui. Mais gentil. Il est gentil. Voilà. Il n'y a pas plus gentil que moi. Tu n'as absolument rien à craindre. C'est vrai. Bon, si... Attends, vous aimez fort. Très fort. Là, si tu avais une question tout de suite à me poser, tu poserais... Pour de vrai. Pour de vrai, oui. Si tu avais une question tout de suite à me poser qui te vient, qu'est-ce que tu me dirais ? Qu'est-ce que tu me demanderais ? Je t'écoute. Je peux habiter avec vous. Pour l'instant, tu habites avec nous puisque tu es avec nous. Oh.
Pour toujours? Si le cœur t'en dit, oui. Toi qui es gentil. Nous, tant qu'on peut t'aider, que tu peux te sentir bien, que tu peux découvrir l'amour, que tu peux gambader, jouer, t'amuser, écouter de la musique, sans recevoir de coups, tu es le bienvenu avec nous. Est-ce que tu voudrais ça? D'accord. Est-ce que tu vois Rose? Est-ce que tu vois d'autres personnes que Rose, Adèle? Est-ce que tu peux nous dire comment sont ces personnes? Tu fous mal les yeux. Ils brillent? Ouais. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle te provoque? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois cette lumière? Ça fait pas mal aux yeux. Est-ce que tu ressens des émotions? Des choses? J'ai pas peur. Ils sont gentils? Oui. Tu as confiance en eux? Tu peux avoir confiance en eux. Est-ce que tu avais déjà vu ces personnes avant? Non. Est-ce que tu avais déjà vu des personnes briller autant? Non. Alors pourquoi elles brillent et pourquoi elles sont là, s'il te plaît? Est-ce qu'ils représentent quelque chose que tu as déjà entendu? Est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît? Des anges. Oui, c'est des anges. Et pourquoi tu vois des anges, s'il te plaît? C'est pas grave. T'inquiète pas, on est des anges aussi. T'inquiète pas. Tu peux prendre ton temps. Si tu es entouré d'anges, c'est que tu es arrivé au bon endroit. Il peut arriver, mais je suis un ange. Tu l'es également. Tu es avec les bonnes personnes. Je pleure, mais c'est pas parce que je suis triste, hein. Je suis contente que tu sois les anges. Est-ce que tu aimes les anges? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les trouves beaux? Est-ce que tu aimes voir leur lumière? Est-ce qu'ils te rassurent? Est-ce qu'ils te parlent? Ils te disent quoi quand ils te parlent, Adèle? Que je suis gentille eux aussi. Des anges sont venus te chercher. Ils t'ont apporté à nous. On est des formes d'anges, d'une certaine manière. On te propose notre amour, on ne te connaît pas. On te propose de rester près de nous et de vivre avec nous si tu veux, puisque c'est là où tu es heureux. Tu sais qu'il y a des anges autour de toi. Est-ce que tu as compris pourquoi tu vois des anges maintenant? Je crois. Est-ce que tu veux que je le dise ou tu veux le dire? Comme tu veux. Tu veux que Val le dise? Est-ce que tu veux que Val le dise? D'accord. Valérie va te le dire. Elle va te le dire avec ses mots. Elle va te dire pourquoi tu vois des anges. Elle va te dire que tu es bien avec nous, que tu es bien avec eux et que tu n'as absolument rien à craindre. Est-ce que tu es prêt à entendre ce qu'elle a à te dire? Il faut que tu l'entendes. Dis-lui. Adèle, Valérie va te dire pourquoi tu vois des anges. Merci. Il a compris. Il veut juste que tu lui dises. Tu vois des anges. Tu es un ange. Parce que tu es monté au ciel. Je veux pas lui dire qui. Tu sais ce que ça veut dire, monter au ciel? Oui. Exactement. Comme mon papy et ma mamie. Exactement. Si les dernières images, Adèle,
sont ceux de ton papa qui t'a mis des coups et qu'aujourd'hui tu es monté au ciel. Est-ce que tu sais pourquoi tu es mort? Il m'a tapé trop fort. Exactement. Raison pour laquelle on disait tout à l'heure qu'un papa ne doit pas taper son fils. Il doit le protéger et l'aimer. Ton papa n'a pas d'amour pour toi, puisqu'un papa ne tape pas son enfant jusqu'à le tuer. Donc, on est tes parents. De substitution, comme on dit. On est tes parents. Et on va t'aider. Et nous, on te reçoit avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et nous, on te frappera pas. On t'aimera. Pour ce que tu es. On t'aime déjà. Et tu pourras écouter de la musique. Comme tu voudras. Tu pourras jouer avec les anges. Gambader. Moi, je suis d'accord. Demande à Steph. Demande à Steph. Mais moi, je veux bien. Moi, je suis d'accord avec. Oui. Vas-y, demande-lui. Vas-y, Adèle. Dis-toi. Eh ben, il m'a demandé s'il pouvait être mon ange. Tu peux être l'ange de Valérie, mais oui. Mais il voudrait être ton ange aussi. Tu peux être mon ange aussi. Tu peux être notre ange. Tu peux nous protéger. Tu peux venir nous voir, nous parler. Tu peux venir nous visiter quand tu veux. Tu peux jouer avec nous. Tu peux écouter notre musique. Courir avec les chats, t'amuser. Et continuer de me tenir la main comme Et continuer de tenir la main de Val comme tu le fais. Et nous faire des câlins. Oh. Est-ce que ça te plaît, ce genre de situation, même si elle est nouvelle? Comment tu te sens à cette heure-ci, s'il te plaît, maintenant que tu sais les choses? Bien. Tu vois, je ne suis pas énervé. Je parle fort, c'est pas pareil. Tu l'étais un tout petit peu quand même. Oui, car je ne savais pas qui tu étais. Je n'ai pas fait exprès, pardon. Ce n'est pas un problème. Tu vois, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, on apprend qui tu es, tu apprends qui nous sommes. Tu vois des choses, on t'explique. Il n'y a aucun mal là-dedans. Tout est lumière ce soir. Tout est amour. D'accord? Tu es entre de bonnes personnes. Tu es en confiance. Tu es libre, libéré. Et tu vas pouvoir connaître l'amour dans une dimension que tu n'as jamais connue. Avec de la musique. Et avec des anges. Est-ce que cela te convient? Est-ce que je peux te proposer quelque chose en toute amitié, en tant que papa de substitution? Est-ce que tu aimerais aller dans un endroit où il n'y a que de la lumière, d'autres enfants comme toi qui jouent, et tu pourras retrouver certainement ta peluche, Oscar. Ton lapin, Oscar. C'était une peluche. Un lapin qui s'appelle Oscar. Qui avait une drôle de tête. Tu pourras le retrouver. Il avait une drôle de tête. Tu pourras jouer, t'amuser avec d'autres enfants, avec d'autres anges, avec de la musique, dans des endroits magnifiques, avec plusieurs soleils, plusieurs étoiles, plusieurs lunes, plusieurs couleurs. Tu pourras gambader, courir. Personne ne te dira rien. Tu ne recevras aucun coup. Il y a des chiens. Il y aura des chiens. Des petits chiens qui te courront. C'est pas des petits chiens qui veulent. C'est quoi? Des gros. Tu veux des gros chiens? Oui, c'est des gros qui veulent. T'aimes bien les gros chiens? C'est pas des chamelles. Non, c'est des gros. T'aimes bien les gros chiens? Oui, oui. Ah oui, ils sont gros, ceux qui le montrent. Tu veux que je te donne un secret? Tu auras ce que tu désireras. Ce que tu voudras, il suffira juste de le vouloir. Est-ce que tu es prêt à créer ton paradis?
Est-ce que tu es prêt à être heureux? Est-ce que tu es prêt à rencontrer d'autres anges? Est-ce que tu aimerais avoir en permanence de l'amour? Est-ce que tu voudrais bien aller dans cet endroit? Est-ce que tu voudrais que Valérie t'accompagne jusqu'à cet endroit? Est-ce que tu voudrais que Rose, qui t'a amené ici, t'accompagne jusqu'à cet endroit? Est-ce que tu es prêt pour cela, Adèle? C'est toujours mieux que ce que tu as connu. C'est toujours plus lumineux que ce que tu as connu. Et même si tu vas à cet endroit, tu auras toujours le bénéfice de pouvoir revenir nous voir quand tu le voudras. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça t'intéresse? C'est ce qu'il avait pas. Tu pourras y aller. Tu pourras y aller. Tu pourras aller là où je te dis, comme je te l'ai décrit, et revenir nous voir quand bon tu sembleras, pour nous faire un câlin, un coucou, pour écouter notre musique, pour t'amuser et courir près de nous, et tu pourras ensuite repartir et revenir et aller où bon te semble. Tu seras libre et libéré. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? On y va? Valérie t'emmène? Adèle, c'est toi qui décides. Alors c'est parti. Ça te plaît? On t'a pas menti. Ça valait le coup d'y aller? Tu reviendras nous voir? On te recevra. On va même te dire que si tu viens à la période de Noël, on t'offrira des cadeaux, hein. T'as trouvé un nouveau papa et une nouvelle maman. Oui, un papa qui est gentil et une maman qui est gentille. Tu pleures plus, hein. Pas pur, là. Quand tu es arrivé de l'autre côté dans la lumière, tu as vu des gens que tu connaissais? Papy. Une amie. Ils t'attendaient? Oui. T'étais content de les voir? Oui. Ça t'a fait plaisir? Tu regrettes rien?
Tu vas sourire maintenant et tu vas être heureux. Et si je pouvais te voir, je te prendrais dans mes bras, je te ferais un câlin et je t'embrasserais. Elle l'a fait. Ben oui, mais moi je veux pas. Moi j'ai pas pu le faire, alors j'attendrai encore. Et vous? Vous allez continuer à rire? Oui. Comme vous faites? Oui. Et à vous aimer, hein? Tout à fait. Vous disputerez pas? Non, t'inquiète pas. Je sais que si tu fais pas ce que tu me dis là, eh ben je le saurai. Exactement. Tu iras juste venir nous voir, tu le diras à Rose, qui me le dira, et je me ferai disputer. Oui. Voilà. Et je vais même te dire autre chose. Si un jour on se dispute, eh ben on pensera à toi et on arrêtera. Ça te va? Comme ça, on pensera toujours à toi. Je viendrai faire des câlins. Oui. À Valérie. Oui. Si vous vous disputez. Je veux pas qu'elle soit triste. Pas de soucis. Ça sera ton rôle. D'accord. Ça sera ta mission. D'accord. Tu es devenu quelqu'un d'important pour nous. Je suis un gardien. Exactement. Un ange gardien. Ah oui. Ça te plaît? Ouais. Est-ce que tu veux briller comme tous ceux que tu vois autour de nous? Ouais. Alors, il ne tient qu'à toi de le faire et de le devenir. Je vais le faire. Ça sera notre contrat. Ça sera notre contrat. Ça sera ta mission. Nous, la prochaine fois qu'on va te voir, on veut te voir briller. Un ange gardien. On veut te voir briller. On sait aujourd'hui que nous, on a un ange gardien en plus. Il s'appelle Adèle. Ouais. Je suis contente. Il a 6 ans et il est très gentil. Il est beau. Et il est beau. Il est courageux. Si, t'es beau. T'es plus beau qu'Oscar. N'oublie pas de venir, n'oublie pas de venir nous voir en musique. Vous le saurez de toute façon. Très bien. On te laissera te présenter, on te laissera créer la présence, on te laissera même bouger les choses ou faire des choses pour qu'on puisse te reconnaître. Tu es super bien amusé. Tu es le bienvenu. Il y a beaucoup de monde qui passe ici. Oui, je sais. Alors tu es le bienvenu. Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues chez nous. Je ferai attention à qui vient. Tu sais, parce que c'est un peu chez moi maintenant. Voilà, tu nous protégeras. Oui. On a besoin de toi en tant qu'ange gardien. Oh. Vous n'avez pas vu ce que moi j'ai vu. Bah dis-nous. Écoute, c'est pour notre plus grand bonheur. On va te laisser y aller. D'accord. On te fait des gros bisous, Adèle. Plein. On te fait plein de gros bisous. On t'embrasse fort et on va s'endormir ce soir en pensant à toi. D'accord. On t'aime et on te laisse. Moi aussi. Alors on te laisse y aller. Gros bisous. À tout vite. À tout vite. Bisous. Très vite. Très vite. Bisous. Pourquoi ça fait 2 jours qu'on vit des trucs de dingue? C'est esprit souffrant. Oui, j'avais bien compris. J'ai compris après où tu voulais en venir, mais on n'avait pas demandé ça. Je suis très froid quand je discute. T'étais vraiment énervé. Oui, ouais, en vrai, t'étais énervé. Ouais, c'était énervé.